Yo tout le monde, c'est Swiss Entrefait. On se retrouve aujourd'hui donc du coup pour la suite de notre let's play sur Dragon Quest. Alors dans un premier temps du coup, on va aller manger parce que du coup on n'a pas grand chose pour aller manger. Alors, je regarde si on a encore un petit peu de quoi manger. Non c'est pas ça. On va quand même se faire un peu à manger parce qu'en vrai on a quasiment plus rien. On va encore fabriquer un autre. Ouais. Alors on va aller du coup dans le téléportail bleu. Et on va aller partir un petit peu en exploration. On va se diriger tout simplement vers l'un des points qui est tout simplement indiqué par l'écran. Donc on a de la chance parce que du coup il pleut pas. Alors la dernière fois j'avais pas de chance parce que la dernière fois malheureusement il pleuvait beaucoup sur le jeu, enfin pour vous non, mais moi hors caméra moi il pleuvait beaucoup sur le jeu. Alors va falloir trouver un endroit où on peut pêcher. Parce que en fait on va pouvoir fabriquer une canne à pêche. Hein. Alors si j'ai pas oublié, il me semble qu'ici il y a un livre à lire ici. Le livre s'intitule Les cahiers de Cantagia, le volume 2. Ah, donc on n'a pas eu le volume 1, là, de l'autre. Je pense planquer je ne sais pas où. Voulez-vous le lire? Bah oui. J'ai du mal à croire que cette terre corrompue soit vraiment remise d'art. Autrefois la grande ville s'élevait sur une île agréable et verdoyante, entourée d'un lac aux eaux bleues et scintillantes. Hein. Désormais, je ne vois plus ici qu'un bourbier. Hein. Ça tourbe, et parsemé de restes pourrissantes, hein, d'arbres morts qui surnagent dans un ignoble marais pestilentiel. Les rares personnes capables de supporter la vie en ce lieu semblent succomber à une mystérieuse maladie qui se répand à travers toute la région. Ces quelques malheureux survivent luttant vaillamment contre l'épidémie insidieuse. Je crains cependant que, sans le pouvoir de créer un remède, leurs efforts soient vains. Ces gens sont tellement résignés à leur sort qu'ils en sont même oubliés que les hommes avaient jadis le pouvoir de combattre la maladie et la contagion. Bien que je connaisse parfaitement la malédiction qui nous a frappés, je n'aurais jamais imaginé pour un jour quelque chose d'aussi triste. Chaque fois que je pose le regard sur les visages dévastés des habitants de Rimuldor, cela me rappelle le pouvoir terrifiant de la colère de l'arbre blanc. Je donnerais n'importe quoi pour aider un tant soit peu ces âmes souffrantes. Mais j'ai ma propre mission, je dois la mener quoi qu'il en coûte, bien que cela m'attriste. Je dois laisser Rimuldar derrière moi et poursuivre mon voyage vers le nord en direction de Kohl. Messire Trédoru, Jacqueline Mornor, brigade des gardes de camp. Alors du coup, normalement on va pouvoir fabriquer maintenant une canne à pêche. Enfin, normalement. Ça c'est super embêtant ces trucs là. Essayer de les distribuer au maximum de fleurs hein, parce que ça pique qu'on les touche. Alors on a ça, c'est nouveau ça, une fougère hein. Donc on sait fabriquer maintenant de l'étoffe fibreuse hein, grâce à ça. Et bah l'étoffe fibreuse ça va être très utile pour vous dire. Un humain très pâle qui a l'air attraper le fléau, hein. N'aurais-tu pas?
C'est un peu gonflé de ta part d'un type qui est couvert, c'est ça, hein. Ah, sur une petite rigolo, hein, je suis tombé quelques... Que fais-tu par ici? À la recherche d'un grand pêcheur, hein, tu es, hein. Un grand pêcheur, tu as trouvé. Plus précisément, un archer. Pardon, humain. À ton visage, je vois que tu n'as rien compris pour me faire pardonner à fabriquer des cannes à pêche, je t'apprendrai, hein. Mais avant tout, un petit service je te dois te demander. Il y a quelques jours, un gros poisson que j'ai attrapé plus grand que moi, il était beaucoup de colère il y avait en lui, en le remontant, mes murs, il l'a détruit, hein. À cause de ces trous, les autres archers m'auront pêché au lieu de travailler. Ces murs, tu pourrais réparer et... Buller en paix, je pourrais nous... Quel beau travail tu as accompli maintenant. Je veux pêcher et que du peu les autres n'y verront. Alors humain, veux-tu essayer? Ce qui m'arrive me dépasse humain, mais je t'aime bien. Amis de pêche, nous sommes devenus tout d'abord à fabriquer une canne à pêche. Je dois t'apprendre seulement à ce moment-là un pêcheur qui sera... Et maintenant, on a du canne à pêche. Et ben, j'ai envie de dire, c'est super. Hein. En vrai, j'hésite à faire une miniature ici. À faire une petite miniature à côté de lui. Honnêtement, je sais pas, ça peut être une bonne idée. Pas que par les lignes au-dessus. Ah oui, c'est vrai que lui, il est encore là. C'est que je peux pas monter en haut sans bloc de terre, quoi. Oh non, c'est plus comme ça, je pense. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, pourquoi pas. Bon, allez, j'ai pris ça en vrai, c'est pas mal, je pense. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Du coup, on va en profiter pour compléter l'autre côté, du coup. Hein. J'ai bien fait de faire la photo parce qu'il se met un peu voir maintenant. En vrai, j'ai bien fait de faire du coup. Alors, c'est dans cette direction que je vais là. Alors, faut faire attention avec les fleurs, parce que les fleurs... Le problème, c'est qu'après, on... Sors d'ici, mon jeune cubain. D'un nid de Furinombix, il s'agit de le détruire. Nous allons dès que je pourrai bouger à nouveau grâce à toi, Furinombix. Oui, détruis ce nid. Nous devons pour nous sauver tous. Nous avons le. Si nous le faisons pas, la fin des archers se fera. Hein.
un bonnet. Hein. Alors attends, faut que je mange quand même moi. Alors je peux pas compter que ce genre de jeu. Le boss, hein. Voilà, c'est bon, là on l'a tué, donc ça y est, problème rien. Donc on va pouvoir rentrer là-bas. Donc maintenant, on sait fabriquer du coup une canne à pêche, donc on va en fabriquer une tout de suite. Voilà, ça c'est fait. Oh, il y a eu temps. Comment ça tu fabriques cette canne à pêche hein, hein? Oui, c'est du beau travail maintenant, on peut aller pêcher, super. Hein? Pourquoi j'en ai pas l'air plus content que ça? Jérôme m'a dit que tu étais le bâtisseur et que les règles ne s'appliquaient pas à toi. Hein. Si nous les gens normaux en sortaient du village, on tomberait à nouveau malade. Hein. Ça m'énerve, moi je veux juste prendre la vie comme elle est, hein. Viens et aller pêcher quoi. Tu sais quoi Gaëtan, garde la canne à pêche. Autant qu'elle serve à quelqu'un, va pêcher un bon gros poisson pour moi, d'accord hein. Il y a bien quelque chose hein, où j'excelle des temps, c'est à tirer le meilleur parti d'une mauvaise situation. Et la situation n'est pas désespérée, hein. Tu as une canne à pêche après tout. Hein. Si tu as une canne à pêche, hein, tu peux attraper du poisson, et si tu peux attraper du poisson, tu peux le manger. Alors Gaëtan, que dirais-tu de m'attraper quelques beaux poissons hein? Pourquoi me regardes-tu ainsi? Pour un peu, j'ai l'impression que tu me dirais d'aller me faire cuire un œuf. Hein. Si je pouvais, j'irais pêcher moi-même ce poisson, mais ce vieux crabe me laissera quitter la... pas la, la ville. Hein. Est-ce que tu peux me rendre un service, s'il te plaît hein? Il suffit que tu prennes ta canne à pêche et que tu ailles m'attraper 5 sardines. Hein. Alors il me semble que cette personne là a besoin de sardines 8, ce qui voudrait dire qu'il faudrait que je pêche 6 sardines au total. Ah, ils reviennent eux. Ah, pendant ce temps là je vais aller pêcher parce qu'on trouve du poisson que de l'autre côté du téléportail mais pas de ce côté là parce que c'est trop
Alors moi quand je pêche, moi j'ai toujours pêché ici. Depuis qu'on joue à Dragon Quest la première fois, bah, sachez que je me contente d'aller ici et je mets la canne à pêche comme ça. Et après je fais ça. Donc pour ramener, hop, dès qu'on a le petit top dans l'eau, hein, il faut appuyer sur X pour ramasser. Malheureusement pas de bol, c'est une branche cassée. Bon par contre je vais mourir là moi. Alors, ce que je vais faire c'est que je vais me soigner avec une santé complète. Hein, voilà. Alors où pêche, on balance dans l'eau. Et là quelle chance les araignées. Donc je fabrique maintenant une brochette des araignées. Donc pour faire ça du coup, ben 6 fois. Mais avec de la chance on en aura 6. Deuxième. Ah oui, ça le bardique en plus, c'est parfait. Ah. Des ballons gluants du coup, moi je peux fabriquer. Après les branches cassées, parce qu'on peut vraiment pêcher les branches cassées, c'est marrant. Bah sachez en fait qu'il y a un moyen d'obtenir tout le temps des branches cassées en illimité sur le jeu. Je suis pas sûr de certain mais du moins je crois. Bah j'en ai 5, j'en ai pêché 5, il m'en faut encore une pour sortir. Alors en gros, vous voyez ici, il y a quasiment pas d'eau. Bah si je pêche hein, là, je crois que j'obtiens une branche cachée, mais je suis pas sûr. Hein. Ah non, j'obtiens un lion. Ah ouais. Alors oui, on peut obtenir des ennemis, on peut obtenir des ennemis en faisant ça. Ok, bah je vais réessayer pour voir. Je vais essayer juste pour voir si ces branches cassées ou pas. Ah, on peut tirer une sardine même ici. Ah ouais. Mais parce que vraiment, moi je sais qu'il y a moyen de pêcher en illimité en fait des branches cassées. Hein. Donc bon. Donc vous voyez, lui il veut une sardine cuite, mais il faut que j'en fasse cuire une seule. Faut que j'en fasse cuire une seule parce que l'autre il veut des sardines mais il veut pas les cuites, il veut que ça soit cru. Et la première fois je me suis fait avoir et j'avais fait cuire que les cuites. Donc là il faut le deuxième. Donc là ça veut dire que du coup ça guérit. Alors ça le problème c'est que je ne sais pas le faire pour le moment. Et l'eau pure, hein, c'est pareil, l'eau je ne sais pas la faire non plus. Je sais pas je sais pas comment faire pour avoir de l'eau plus saine quoi malheureusement. Ouais. Alors là on va essayer de refaire un petit peu ça parce que c'est vrai que c'est pas hyper beau ici. Alors, je sais pas si on peut. Est-ce qu'on a des escaliers en bois? Est-ce qu'on sait en fabriquer des escaliers en bois? Alors on sait en fabriquer si on a du bois. Ah, c'est parfait. Ouais. Bah, les arbres qu'on a plantés ici, on va les récupérer. Parce que comme j'avais expliqué, les arbres poussent en illimité hein, et tu peux les casser et les replanter à l'infini en fait sur ce jeu. Alors sur Dragon Quest Builders 2, je crois que c'est pareil, il me semble, qu'on peut faire la même manip, il me semble qu'on peut les replanter à l'infini. Ce qui est en fait un peu abusé, parce que comme j'ai dit, tu peux en fait avoir bois illimité sans même sortir de ta base en fait. Après, bon attention, on n'obtient que 8 morceaux de bois, ce qui est en fait à tout casser, c'est pas énorme. Par exemple, là, si on fabrique le maximum d'escaliers avec 10 bois, ça nous fait fabriquer que 10 escaliers, ce qui
pied, pas énorme, parce qu'il faut quand même 2 jours pour faire pousser un es... pour faire pousser un... J'allais dire pour faire pousser un escalier, mais non, pour faire pousser un arbre, il faut 2 jours, c'est-à-dire faut à peu près 20 minutes pour qu'un arbre pousse sur le fond. Ce qui est un peu long, mais voilà quoi. Bon, on va pas avoir le temps de faire plus, mais au moins, on a déjà au moins ça. Alors ça, faudrait l'enlever parce que du coup, ça va pas à l'exception. Du coup, bah voilà, je vais sauvegarder juste après, puis du coup, je vous donnerai rendez-vous la prochaine fois. Parce que du coup, il y en a 3 la semaine prochaine, le jeudi 20 juillet. Du coup, jeudi 20 juillet, c'était celui sans trophée.